Allez, départ de Viège avec cette fois-ci le Girono. On va donc faire la LGV qui fait la boucle de la map, grosso modo. Donc départ de Viège. Direction Sion, puis Genève, en suivant le tracé standard. Et à partir de Genève, on repart sur l'autre côté, sur la ligne BLS, et là on a la ligne dédiée au Girono et à l'ETR aussi qui est dessus. On va voir ce que ça donne. Ah, la Suisse Express. On doit laisser passer un. Glisser, probablement. Alors j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai le trajet standard. Par la par le trajet de... On passe par la LHV, et bien ce qu'il me semblait.
15, une de la BLS. On les a d'abord lissés, se mettre pour savoir. Voilà. Et on continue en direction de Nyon. Thank you.
arriver en gare de Genève. Et ensuite, on partira tout droit. Enfin, tout droit. On fait Rai Rai, quoi. Transport de fret qui passe. Il me semble qu'on a un arrêt côté BLS. Direction Martigny, et maintenant c'est la ligne qui est purement faite, ben, c'est la pure LGV. Je ne sais plus quelle est la disposition des tronçons, mais normalement on devrait pouvoir atteindre la vitesse de pointe sur une bonne partie.
Et voilà, terminus. Enfin, terminus. Fin de la vidéo, on arrive à Viège. Et on aura fait. En fait, on aura fait le tour de la map, littéralement, avec le Girono. Ça va, je trouve que j'ai pas trop mal géré la. Les voix sur Salim, c'est plutôt pas dégueu. Bien. Et ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà. Alors, il y aura probablement encore une vidéo après. Je sais pas si je la fais tout de suite ou si j'attends un peu. Je verrai. Mais il y en aura une pour boucler. Vu qu'il y a toujours la ligne historique, je mets des guillemets, avec la crocodile. Et que de toute façon, je voulais absolument faire une petite balade dessus, bien chill, bien longue aussi à mon avis. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.